Hop, c'est parti, bien le bonjour, salut à tous du côté de YouTube, soyez les bienvenus, nous sommes actuellement en stream sur Twitch, lien dans la description comme d'habitude, hein. Je vais vous le faire à chaque VOD, mais n'hésitez pas bien sûr, puisque de plus en plus parmi vous font le choix audacieux, mais raisonnable, de nous rejoindre pour pouvoir assister à l'ensemble de ces diffusions en stream, donc bien sûr n'hésitez surtout pas, vous serez tout aussi bien accueillis, bien entendu. On est de retour sur Dokkan Battle pour faire des petits tests en Goku Rush, et là on est parti sur un test de la transpiration ce matin, je pense que... Ouf, ça va être quelque chose, puisqu'on va se tenter une team diabolique et sans merci. Inspiré effectivement par ce leader, par le Nappa Vegeta LR. Ça va être quelque chose, en plus c'est un petit lead. Et 130 attaque qui plus 4, PV attaque def plus 130, c'est un tout petit lead. Et puis derrière c'est que pour donner une cohésion, voilà, pour donner une cohésion à tout ça, ça a été un petit peu du gros bordel, hein. Gros bordel, bricolage tiers, c'est le B, d'accord, hein. Voilà, donc on est parti sur cet ensemble-là de perso, en essayant d'organiser un minimum de rotation avec le LR et le Vegeta Ondu qui va être derrière. Vegeta Ondu qui va être plutôt pas mal, puisque du coup il va pouvoir se buffer avec la présence d'un perso famille de Son Goku, donc c'est plutôt pas trop mal. On va essayer de stacker du mieux possible ce qu'on peut choper en attaque et en défense sur le Broly ZTER et sur le Golden Inté ZTER aussi. Mais alors lui c'est pareil, le pauvre petit il est tout seul, on a regardé les links. Dans cette équipe ça va être un petit peu l'outsider parce que je vais pas trop savoir quoi en faire à part le linker avec Vegeta. Où il doit avoir un ou deux links, pas plus. Planfion, gros planfion no jutsu. Et derrière bon bah évidemment une autre rotation qui sera assez évidente, ça va être Rosé. Mais par contre il va falloir qu'il prenne des tartes pour pouvoir setup sa défense. Et le Black Ondu, qui lui va être plutôt pas mal aussi, qui va pouvoir se buffer en fonction des sphères de ki qu'il récupère. J'ai envie d'y croire, mais je vous avoue que je suis pas serein. Hein. Ça risque d'être compliqué. Hein. Donc on va se tenter ça. On essaie en fait tout simplement de tabler sur des catégories qu'on n'a pas de manière native dans le Goku Rush. Hein, et essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. On sait jamais des fois que ce genre d'équipe sortirait à voir. Alors par contre, là où ça va être drôle, hein, je viens d'y penser... Va falloir trouver un leader. Un ami leader. Pas dit qu'on en trouve un. Attention. Ah bah oui, bah tu penses. Ok. Ah bah oui, là ça va être la misère. Ah bah oui, c'est la misère. C'est la très très grosse misère là. Ah bah oui, mais non. Ah bah non. Ah bah voilà. Y'a pas de leader. Y'a pas d'ami leader. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon bah forcément. Voilà. Bah c'est la de mer. C'est la de mer. Pff, aïe aïe. Bon. Et ben... Voilà. Est-ce que quelqu'un dans le chat aurait le Nappa Vegeta LR que j'ai en ami Bon bah... Sinon c'est mal barré je pense. Hein. Ça m'a l'air plutôt mal barré. Hein. Bon. On va prendre pour le moment ce qui semble être le plus évident, à savoir ça. Hein. Oulala. Où est-ce qu'elle est mon équipe, hein. Elle est là. Ah, bon. Bon, bon. 430 000 HP. Avec le freezer MF. Hein. Je vais quand même titer, relancer, voir. On va voir. Sinon, bon, le freezer MF, si on n'a pas le choix, hein. On verra. Hein. On est sur quoi là? Ouais, c'est vie artificielle. Hein. Ouais, non. Il m'a gardé le filtre. Ah, c'est Kiprok en diabolique et sans merci, lui. Ah oui, ça va être débile. Ah, ça doit être full débile. Ah bah oui, d'accord. Bon. Eh ben écoutez, hein. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Let's go. C'est parti. Allez, parti pour se faire rincer les yonf. En avant la musique, hein. Allez, go, hein. Ok. Ça va être... Waouh, déjà les liens au secours. Très bien. Alors non, tant pis, on va faire exprès de casser un petit peu tout ça, mais il va falloir commencer à bosser les stacks là, parce que what the fuck. Déjà, rien que Rosé veut lui mettre la misère, ça va être violent, quoi.
Aïe aïe. C'est le compte de ton fils. Non, mais sûr que non, c'est le mien. Mon fils, il est pas aussi élevé en rang. Bon. Oh bah là, s'il me l'achève pas sur ce coup là. Ah, très bien. Voilà, prends des tartes, ça m'arrange. Ok. Wouah. La qualité des liens, mon frère, ça va être génial. Oh nom de Dieu. Taf tes stack, j'ai envie de te dire, tant pis. Profitons-en qu'on n'ait pas des trucs trop énervés au départ. Oh putain. Ah c'est ridicule. C'est tellement ridicule ce qui se passe. Aïe 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 aïe. Yes. C'est vrai qu'on lui avait mis un petit peu d'esquive. Hey Kuntach, ça roule. Bon voilà, il l'achève, très bien. Ok, bon par contre lui il va falloir travailler ses stacks hein, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'occasion de le faire. Ah, shit. Oh là là, les défenses dégueux. Dégueux. Oh là là. Au secours. Ah, c'est... Ah, mais non, mais... Ah, c'est toujours plus d'expérience sociale dans ce stream. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh, ya, ya. Alors, je sais pas où on va aller avec ça, chers amis de YouTube, hein, mais... On y est parti d'un air bien déterminé, en tout cas. Je sais pas quel sera le résultat final, mais à mon avis... Au secours. Hey, MOBA, c'est un rôle. Paf. Voilà, très bien, vas-y, continue. Hein. Te gêne pas pour nous, Broly. Travaille tes stacks. Hein. Ah, bah très bien. Bah oui, bah vas-y. Surtout, te prive pas pour nous. Hein. Vas-y, roule. Hein. Aïe. Y'a tellement pas de def. Quel enfer. Y'a tellement zéro défense. Aïe. Quelle horreur. Bon bah Black prend des tartes hein. Faut que tu setup ta def, je suis désolé mon petit, mais il va falloir y aller. Hein. Oh l'horreur. Toujours plus 60% de def. Hein. Waouh. Salut Orto. Ouf. Belle valeur d'attaque mon canard. Bing. C'est beau. Alors inutile de préciser que les liens évidemment étant donné que l'équipe vient tout juste d'être créée, les liens n'ont absolument pas été bossés. Hein. Vous pensez bien. Right. Est-ce que je serais pas dans une optique où je me mettrais dans Lyon Flutty plus 5 pour Freezer? Parce que là derrière, là j'ai bien ça là. Mais Ouais. Super. J'aimerais bien que Broly parte en spé justement, mais faut que Freezer parte en spé impérativement quoi. Est-ce que je peux rester à... Bah non, de toute façon, attends. Oh, c'est juste le... L'active skill d'esquive. Bon. Toi, tu pars. Toi, tu feras ce que tu pourras. Idem ici. Je sens que ça va être court, YouTube. Je sens que ça va être court. Aïe, aïe. Je sens que ça va être très court. D'ici 5 minutes, si on tient 5 minutes, Gardo, ce sera beau. Hein. A voir si on parle de 5 minutes réelles ou de 5 minutes Freezer sur Namek. Hein.
forcément. Oui, d'accord. Alors, voyons voir. Ok, donc là on peut partir sur un attaque des plus 20% à chaque sphère de ki. Pas grand chose à lui donner à becter cependant. Est-ce que j'ai vraiment envie de le laisser à contre-type? Non, évidemment. Est-ce que pour autant je vais avoir beaucoup de choix? Non. Faut qu'il prenne des tartes, n'empêche. Faut qu'il prenne des tartes pour setup sa def. Prendra des tartes au prochain tour. Les valeurs d'attaque sont quand même pas dégueulasses hein, sur ce vieux black ondule. Hein. Ok. Merci le roi des dragons, Zerkos 26, 2006 et White 28-25 pour les follows. Soyez les bienvenus. Ah. Ah. Alors évidemment qu'on serait tenté de conserver la rotin en l'état. Évidemment. Pour autant, est-ce que j'ai envie de laisser Broly encaisser 3 attaques à la fin? Non. C'est une expérience sociale ce stream, rappelez-vous. Mauvais calcul. Voyons voir. Les RMF, il va prendre tarif. Il y a d'assez bonnes chances, oui, 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 tout à fait. Par exemple. Par exemple, voilà. Putain. Et pas mettre une double spé, non? Ah, petit café, le café, let's go. C'est vrai qu'on sent que le lead est pas énorme hein, derrière. Ça va, il encaisse plutôt bien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors. Ok. Fort bien, fort bien. Intéressant. Bon, par contre, je vais pas casser ma rotation comme ça. On va se calmer 3 secondes. On va donner à bouffer. La chef page, on va voir les valeurs de dégâts de Black, voilà. Ouf. Ah ouais. Ok, pas mal. J'aurais bien voulu voir l'attaque de Vegeta aussi, mais bon. Et voilà le début de la misère, il a fini. Ok.
Ah, puis lui, il a plus rien, il a plus qu'une modif. 85 000 de def, au secours. Alors, on va pas commencer à céder tout de suite à la panique, on va attendre un petit peu quand même. Ouais, je remets les deux Vegeta ensemble. Oh, bien le petit Dokkan mode. J'ai pas vu ça. Je n'avais pas vu. Encore une fois, aveugle à cette mécanique. Putain. Ce cliquet de qualité. Hein. C'est bon, on est prêt pour reprendre Valorant, les gars. Oh, appréciable. Tout autant appréciable. D'accord, ouais. Merci. Raté. Allez, voyons voir. Salut Lightning, ça roule. Oh oui, parfait ça. La doublette, parfait. Allez, encore un peu. Ok. Non, j'aurais voulu que tu prennes les violettes, toi, idiot, là. À prendre celle-là, il n'était pas encore max stack. Merci Kylo49Ren pour le follow, bienvenue. T'as plutôt dur. Hein. Malgré ça. Ok. Pas mal ça, pas trop mal. Pas trop mal d'ailleurs. Ok, j'entrevois déjà quelque chose. Attends. C'est quand même pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Putain, c'était pas l'occasion de le faire partir plusieurs fois en spé dans les premiers tours. Surtout avec des valeurs. Oh putain. Au secours. C'est des gold 30 000. Ça roule. Oh yo. Heureusement que le 1T derrière va faire le job. Ça commence à devenir 5 minutes, Namek. Ouais. Pas plus mal d'ailleurs. Alors, voyons voir. Oh. Cette animation qualitative tout de même. Hein. Très beau, LR. 140k. C'est d'accord. Pas mal. Attention cependant à l'aspect sur... Si l'aspect part sur le black ondu, ça risque de picoter un... Punaise. Oh oui. Génial. Génial.
pas mal du tout non plus. Hein. J'aimerais bien des crits un peu plus réguliers, mais... En vrai, ça va pour l'instant. C'est là que ça va plus. Ah, quand il part de bas, hein, c'est ça le problème. Hein, c'est qu'il part de vachement bas, ce Black, quand. Oui, bon, là, au stade où on en est... Votre affinité ou pas, il y a un moment donné... Voilà, concrètement, c'est les Sensky, ça roule. Bien le bonjour également ceux qui se arrivent entre temps, que je n'aurais peut-être pas vu. Bon, heureusement. Ils font quelle catégorie Diabolique et Sans Merci. Avec le lead... Oh putain. Avec le lead Napa Vegeta LR. Petit lead, plus 130%, mais on tente le coup. On tente l'expérience. Ok, donc on arrive à Migaté. Alors là, attention, là. La Black, le Black conduit, c'est là qu'il va commencer à très sérieusement manger, quoi. Merci Waxcroc pour le follow, bienvenue. C'est quoi un bon lead pour toi? Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais lead, hein, parce que vous avez deux genres de lead, en fait. Vous avez le bon lead, en fait, c'est un lead, et il est bon. Et vous avez le mauvais lead. C'est un lead, mais il est mauvais. Voilà. C'est les mêmes, mais en différent. Ouais, désolé, elle était facile, celle-là. Bon, par contre, en parlant de facile, là, je risque d'en prendre facile plein Lyon, là, dans cette rota, là. Je serais tenté débit, mais à mon avis, ce sera pas assez. Débit, mais sous réserve que j'arrive à ajouter pas mal de ki pour Black. Sinon, il va se prendre la max. Ah, il va dérouiller Black là. J'aurais même pu switcher en fait, hein. Je suis en train de voir, j'aurais pu switcher, enfin quoi que. Ouais non. Ouais, Black il va dérouiller non. Il y a une spé qui part sur lui, il y a de grandes chances que ce soit fini non. Il fallait que je ghost plutôt, je ne sais pas. Là, ça risque que de picoter très sévèrement. Là. Sans parler des probas d'esquive de Goku là-dessus. Ah, oh, joli le crit, merci bien. J'avoue, double. Oh putain. C'était douloureux, dirons-nous. Bon, là, c'est pareil. Vegeta, est-ce que tu peux être bien frais, là? Ah, 101 000, hein, c'est pas encore assez. Hein.
Même Broly, là, il est en danger ici. Hein. Broly, il est très en danger là-dessus. Hein. C'est vite. On va voir. Ah, évidemment. Là, oui, forcément. Je n'avais pas trop pris la tête là sur les dernières rotations avec les esquives sur la phase médiate et puis, mais. Là pour le coup. Aïe aïe. Aïe aïe. Oh merde. Probablement la fin. Ah c'est la fin. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Et paf. Hein. Comment ça? Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer là? What? Mais comment c'est possible? Il stack à l'infini. Non mais il avait 150 000 de def en contre-affinité. Attends mais c'est une blague? Qui plus 6 CP et def plus 60, 6 PV à 60% au moins. La def elle s'était pris un renfort considérable sur le passif du perso. Ouf, putnaise. Bon alors par contre, ça se prend un ghost dans la tête tous les jours. On va se calmer 2 minutes, on va profiter de la régène d'HP au prochain tour. Oh what the fuck. Ah, j'avoue que ce coup là je l'ai pas vu venir. Plaisir. Les stacks à mort. Ouais, mais là c'est pas que les stacks. Les, on avait quand même le passif qui est rentré en ligne de compte quoi. Il s'est activé parce que j'étais à moins de 60. Parce que j'étais à moins de 60% d'HP. Sacré coup de bol quand même. Hein. Parce que là ça se terminait là-dessus sinon. Ok. Un pari sur l'avenir en espérant que l'aspect parte sur le 1T. Appréciable. Pas de spé sur le 1T. Putain. Ok. Décidé d'être troll jusqu'au bout, quoi. Ok. C'est un coup de poker là.
Parce que si Midiaté esquive ne serait-ce que l'attaque de Black Rosé, c'est fini. J'ai un de mes derniers items pour la phase finale. Voyons voir. Ça au moins c'est tanké. Par contre après les auto-attaques... C'est bon, on n'aura pas à s'en soucier. Ok, dernière phase. Allez. Freezer MF, c'est à ton tour de te faire masser les côtes. Hein. Alors ce speed est déclencher le Dokkan mode. Et le faire partir sur le black. Sur le black endu. Il faut moins 135 pour tant que les auto-attaques. Hein. Et presque. Hein. Le problème c'est lui qui m'inquiète là. Pareil black. Enfin black rosé et Vegeta, je sais pas trop ce qu'ils vont devenir là du coup. Ça risque de se faire patater assez sévèrement. Ah oui d'accord, on en est là quoi. Il a spé par sur Freezer. Aïe aïe aïe. Pas apprécier la banne. Hein. Bon, lui, ils s'en foutent, ils vont encaisser. Il est un peu là pour ça. Ich les dégâts. Pas de spécial golden. Allez, Broly. Sur Broly. Ce sera peut-être toujours préférable à Golden. Hein. Golden Tech. Largement. Ça se trouve déjà lui, le beau Freezer MF, il va prendre une auto-attaque d'une valeur largement supérieure à ce que vient d'encaisser Broly. Voilà. Le double. Oh la vache quoi. Ouh. Ça c'est pour toi mon petit. Ouh. Défense. Compliqué, c'est compliqué. J'aurais dû lui donner une réduction de la Freezer MF, le pauvre. Ah non, mais là, c'est clairement pas. Là, c'est pas pour lui. Hein. Surtout si les stacks. Ah putain! Surtout si les stacks ont été quelque peu foirés au début sur les premiers tours. Non!
Merde. Pardon. J'ai pas vu le Dokkan Mod. Allez, on accepte la boulette, on accepte la bourde, tant pis. On va relancer le jeu, on va le faire normal. Il y a la bourde, on accepte la bourde, fallait faire attention. Ah quand même. Ah, regardez, attention, le training à Valorant, c'est maintenant. Bravo, on n'est pas prêt à reprendre le jeu. C'est toujours ça d'enlever. Allez, bon, allez, on y croit. GG. Oh, putain, il est incroyable. Oh là là. Ouais, incroyable. Aïe, 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 aïe. Le Broly des destructions massives, quoi. Il est un peu dégueu ton tableau, Jean-Michel, t'es au courant, hein? Fuck. Pas du tout ce que je voulais faire, mais tant pis, je l'ai fait quand même. Nul. Ah. Ce Broly, c'est vraiment le frère. Ah, il fait le job. Hein. Surtout derrière, le vrai bro aussi, c'est Goku qui choisit de pas esquiver les attaques. Hein. Broly qui a décidé de lui en mettre plein la gueule et Goku qui a décidé de pas esquiver, j'avoue que j'apprécie. Hein. D'ailleurs que ce Broly 100% était déjà dans mon extrême endurance sans être tué. Hein. Mais il faisait le taf, dans une certaine mesure. Bon, il avait été quand même pas mal boudé, laissé un peu en arrière, enfin même beaucoup en arrière. Mais depuis qu'il a son ZTUR, mon dieu quoi. Oh. Oh oui, putain, j'ai attendu ça pendant longtemps, ça me saoule. C'est quoi ZTUR? Je connais rien à Dokkan. ZTUR en gros c'est l'équivalent d'une résurrection sur Beach Brave Souls. Pour donner un exemple peut-être un peu plus parlant peut-être à certaines personnes. Peut-être. Je pense. Aucun risque ne sera pris. Ah, l'enfoiré. Ah, j'ai compté. Ah, double enfoiré. Oh. Ouf, ok. Énorme. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Deux secondes. J'essaie de me dépatouiller de ce bordel.
pense qu'il va falloir accepter de casser la rotation. Hein. Merci Spoonch qui raid avec un groupe de 8 specs. Salut à tous, soyez les bienvenus. Merci d'avoir pensé à nous, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement, on est en train de transpirer du slip. Certains apprécient le spectacle, d'autres un petit peu moins. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon stream. Nous sommes présentement sur Dokkan Battle où on essaie de passer un truc. Ouf hein. Où on n'est pas dans des conditions vraiment très. Très confortables. Hein. J'ai plus d'item de soins, on est d'accord avec ça? Oui. Ça passe ou ça casse? Ça, ça va faire mal déjà quand je vais le manger. Parce que je vais le manger, littéralement. Oh là là. Là, c'est... C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou rien du tout. C'est maintenant où on en termine. Si on n'en termine pas sur ce tour, c'est mort. C'est fait. Yes. Il n'a pas esquivé. Yes. Nickel. Ouhouhou. Oh la vache. Et on partait pas vainqueur avec cette équipe. Hein. Aïe aïe aïe, on se rappelle, hein, certains donnaient 5 minutes avant qu'on crève. On en est rendu à 42 minutes de VOD pour YouTube. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On l'a passé. Énorme. Ouf. Alors, je remonte un peu l'équipe un peu pour voir dans quelles conditions on est parti. Donc, le lead, Nappa Vegeta LR avec le Vegeta Ondu ZT1, Vegeta V1, donc à 100% également. Alors, vous voyez, en plus, il avait même pas de. Voilà, il y avait rien. Il n'y avait même pas de sphère de potentiel, il y a que dalle. Le Broly ZT1 à 100%. Mais en fait, tout le monde était 100%, en fait, je suis en train de voir. Tous les persos étaient à 100% à l'exception du leader. Donc le petit Broly ZTR également, bah, qui fait un gros job. Lui pareil, aucune sphère d'aptitude. Le Freezer sur lequel on avait mis pourtant quelques sphères d'aptitude aussi. Histoire qu'il puisse esquiver un minimum, faire un peu de dégâts. Bon, essayer de le rendre assez polyvalent. Le Black Agi ZTR également, enfin Black Rose Agi. Pareil avec quelques sphères de potentiel dessus mais très légères. Quelques liens un petit peu travaillés d'après ce que je vois. Je me rappelais pas que je l'avais bossé à ce point lui. Et le Black Ondu ZTR également, sans sphère d'aptitude. Quasiment tous les persos étaient à poil mine de rien. Mais et le Broly qui a fait un taf mais impressionnant là-dedans, hein. Vraiment sublime. Hein. Vegeta c'est pareil qui a fait ce qu'il pouvait, enfin le LR Vegeta Bro, le Vegeta Nappa qui a fait ce qu'il pouvait mais qui s'en est quand même bien sorti dans l'ensemble. Malgré une faible valeur de lead, c'était quand même loin d'être gagné. Et en plus le lead Freezer MF, enfin le lead Ami. Aïe, ça aurait pu être le motif à crever. Bon par contre ça n'a pas été très économique en matière d'items. Hein. Tout y est passé, il devait nous rester un Whis à la fin je crois. Donc ça passe, mais non d'un fion. C'était compliqué. Chers amis de YouTube, on vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Comme d'habitude, le lien Twitch dans la description, n'hésitez pas. Vous avez également un champ commentaire si toutefois vous souhaitez vous exprimer à propos de la performance du jour. En attendant, on espère vous retrouver en live très bientôt. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour la suite. Petite VOD normalement qui devrait suivre très prochainement. On vous fait des gros bisous, chers amis de YouTube, et on vous dit à très bientôt pour la suite.